Bonjour tout le monde. Comment dire, ça fait un peu drôle de se retrouver ici devant vous. Ça fait quelque temps que je n'ai pas eu l'occasion de me retrouver à chanter comme ça en direct devant des gens. Je me sens un peu comme un mannequin, on va dire, dans une vitrine avec des gens qui passent devant, quoi. Je pense que je suis dans cet état-là en ce moment. Mais déjà, merci à tous ceux qui se sont arrêtés et qui vont s'arrêter encore, hein. Avant de commencer, une petite pensée pour tous les copains, copines qui se sont mobilisés, qui occupent les théâtres. Pensée solidaire, bien évidemment. Vu que nous sommes, ça j'ai appris en arrivant ici à la souterraine, à ce qu'on appelle un live stream, j'avais envie de commencer par, une fois n'est pas coutume, par une chanson en anglais. Voilà. The marinette for stew, Charles. Be prepared the day before cooking. Place meat in a bowl with the chopped onions and slices carrot, pearled garlic and pepper. Cover with the red wine and let marinate overnight. In the refrigerator, in the refrigerator, all together, les cadreurs, all together, in the refrigerator, super, in the refrigerator. J'ai toujours rêvé de chanter de la daube. Et qui plus est, en anglais dans le texte. Mais voyez-vous, jusqu'alors, j'avais pas trop de physique. Alors maintenant que je l'ai un petit peu plus, j'en profite. Vous voyez, avec les gens là, qui reprennent, là, c'est de la folie. Regardez-moi ça. In the riff. Oh là là, c'est la folie. Hein. Oh, oh. Si ça se trouve, vous comprenez ce que vous dites. Quand je pense que pendant des années, je me suis fait chier à écrire des trucs en français que personne ne reprenait. Et là devant, 4-5, c'est de la folie, regardez-moi ça. In the riff. Oh, 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 oh. Ça me perturbe un peu parce que c'est la première fois que ça reprend autant. The next day, drain the meat and fry the pieces in a frying pan in olive oil very hot. In the same skillet brings the marinade ingredients in a bone. Born to be alive. If you cook the stew and let marinate overnight. In the refrigerator. Oh yes, c'est la folie. Whoa, 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 whoa. In the refrigerator. Oh, whoa. Oh, 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 oh. Bon, quand vous allez la faire, cette recette, parce que pour ceux qui ne l'auraient pas compris, c'est la vraie recette de la daube que je suis en train de chanter en anglais. Alors quand vous allez la faire, si vous en reste un petit peu, vous pouvez toujours la réchauffer, c'est meilleur le lendemain. Par contre, si vous en reste beaucoup, vous pouvez la mettre dans le... In the big congelator, ah, ah, je vous ai bien eu, ah, ah, ah. Oh, 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 ça va être comique, hein. Oh, oh, in the big congelator. Oh, 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 in the big congelator. Merci, merci. Non, non, mais vous emmerdez pas à applaudir, hein. Parce que là, j'ai un lien avec vous, là, regardez, là. J'ai mon ordi qui est juste là et je vois combien vous êtes. Alors mine de rien, là, vous venez de m'aider à réaliser un des nombreux rêves que j'avais étant adolescent, à savoir chanter en anglais devant une foule en délire. Eh ben, c'est le cas ce soir, évidemment, à la souterraine. Non, non, mais oui, oui, évidemment, je vois le chiffre là. Vous êtes quand même 22. C'est le délire. C'est vraiment c'est super. Ou un peu plus, j'arrive pas à voir les chiffres, c'est comme ça. Mais vraiment, moi, la chanson française, il y a d'autres rêves que je n'ai pas encore assouvis. Mais qui sait, avec la force là, que vous venez de me donner, là, j'ai toujours rêvé d'être un chanteur maudit qui resterait à jamais incompris.
Je cracherai sur le système, je crèverai dans la misère, mais ma femme veut pas. C'est peut-être pour ça que j'en suis là à chanter des conneries depuis des années sur scène, alors que le grand truc de ma vie, messieurs, dames, c'est la chanson française. Ouais, vraiment la vraie chanson française, celle qui fait chialer, pas celle qui fait rire. Non, la chanson française, voilà. J'avais envie de vous en faire une vraie chanson française. L'intimité le permet, là. Jacques, tu peux me faire à la lumière, parce qu'il y a la lumière et tout, vous avez vu comme ça, une ambiance chanson française. Tu vois, la chanson française, c'est souvent intimiste. Les lumières sont tamisées, tu vois. Tu peux baisser un peu là, la face, hein, tu vois. Tu peux baisser même derrière, c'est très beau, hein. Tu peux tout baisser, là, ouais, les ampoules, tout ça. Ouais, ouais, tu peux y aller, ouais. Vas-y, n'hésite pas, ouais. Ouais. Voilà, même ça, là, tu peux le... Oui, vas-y, oui. Ah, ouais, ah, oui. Ah, ben là, d'accord, là, c'est bien. Là, tu m'as fait une ambiance chanson française à texte, Jacques. Vraiment, c'est super. Alors, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que les chanteurs français qui chantent avec leur trip. Hein. Il y a le groupe ABBA aussi, ça, je ne sais pas si tu le sais. Mais je la fais dans le noir. Hein. Comme ça, demain, on ne me reconnaîtra pas. Tu peux rallumer, Jacques, hein, parce que là, sinon, je... Ouais. J'ai un ami qui est parti par le train de 4h53. Enfin, il est parti en se jetant sous le train de 4h53. C'est terrible, c'était un bon copain, et on ne comprend pas car il n'était pas du matin. Ou alors, comme l'a dit Gégé, il s'était pas couché. Il souriait à la vie, il plaisantait pour un non, pour un oui. Au téléphone, il m'avait dit, tu ne devineras jamais où je suis. Ça va couper, la suite vous la connaissez. Ça a coupé, au sens propre comme au figuré. Enfin propre, faut pas exagérer, car comme l'a dit Gégé, il y en avait plein le TGV. C'est quand même fou que l'on n'ait pas vu que dans sa vie vraiment ça n'allait plus. Certes, sa femme était partie, mais il disait c'est la vie, c'est la vie. A-t-il voulu une dernière fois déconner, sachant que sur sa femme, il n'y a que le train qui n'était pas passé. Si c'est ça, comme Gégé l'a dit, ça frise le génie de la connerie. Malade, tu nous vois, hi, ça nous vaut, nous J'ai un ami qui est parti par le train de 4h53. Bon, évidemment, on pourrait penser que, avec cette chanson, je me moque de la chanson française, mais non, je viens réellement de la chanson française. Et, j'ai d'ailleurs été influencé par un chanteur, ça va peut-être vous surprendre, par Hugo Frey. Ouais, Hugo Frey, qui m'a beaucoup influencé, le Mi mineur. C'est Hugo Frey, vous voyez, le Mi mineur, c'est deux doigts. Hein. Dis-moi, Céline, Mi mineur, les années ont passé, Mi mineur, c'est Hugo Frey. Si on regarde bien, Céline, ça se termine pas très bien, elle finit seule.
Mais bon, il y avait quand même le mi majeur aussi, avec trois doigts. On sent bien la différence. Il s'appelait Stubol. C'était un... Ça se termine guère mieux, Stubol, si on regarde bien aussi. Mais il y avait aussi le ré majeur, avec le mi mineur. Écoutez cette histoire que l'on m'a racontée. Ben là, il meurt à la fin, carrément, il meurt, le petit âne, c'est Hugo Frey. Bon, il y a Santiano, vous allez me dire, Santiano, ben oui. Mais en réalité, il fait un naufrage, mais il ne le dit pas dans la chanson. Alors, j'ai beaucoup écouté de chansons françaises, et il y a plein de chanteurs que j'adore, et notamment un qui est décédé il y a quelques années. Je voudrais profiter de ce live stream pour ce soir lui rendre un hommage. On m'a vu dans le Vercors, on m'y verra plus. Voilà, Alain Bachaud, pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de reconnaître. Quand c'est trop long, les hommages, c'est chiant, on est d'accord. On est d'accord. Il n'y a pas de réaction parce que, vous voyez, là, je suis là, en fait, avec, je vois les réactions et tout en direct. Waouh, tu joues super bien de la guitare. Ah bon? Eh bien, disons, il y a des sourds qui écoutent. Évidemment, j'ai écouté aussi des groupes anglais, notamment, j'ai pas une grosse culture, on va dire. Mais vu que là, on peut jouer, qu'il y a ce moyen, là, comme ça, c'est assez rigolo de voir ça. Donc, Micheline, bonjour Micheline. Ouais, je vais éviter de trop regarder les commentaires, parce qu'à chaque fois, je vais leur parler, et c'est à vous qu'il faut que je parle. Enfin, c'est là aussi, enfin, c'est les deux, quoi. Voilà. C'est ça qui est assez formidable avec ce live stream. Oui, je me dis que... On va jouer, puisque je vais vous interpréter le début d'un morceau mondialement connu d'un groupe anglo-saxon, d'accord. Et si vous arrivez à reconnaître le nom du groupe, dans la foulée, je vous fais une performance musicale. On est d'accord? Je ne sais plus si... Ouais, vous êtes d'accord? Ah oui, trop fort, merci. C'est parti. Groupe mondialement connu. Je regarde si c'est... Ah mais quand même, merci. Parce que là, sur ce côté, ils n'ont pas trouvé, quoi, vraiment. Donc, Toto, je le dis au cas où il y en a qui... Parce que Facebook, c'est quoi? C'est les gens qui ont au moins 60 ans. C'est Facebook, c'est ça, c'est le réseau. Toto, c'est un groupe qui a vraiment existé, je vous le dis comme ça. Alors, la performance que je vais tenter ce soir au Centre culturel Yves Furet, à La Souterraine, je vais tenter de faire une blague de Toto sur une musique de Toto. Ouais, je comprends bien ce que vous ressentez, ouais. C'est parti. C'est Toto, à l'école sa maîtresse lui dit, mais quelle est la cinquième lettre de l'alphabet? Là, les amis, les cadreurs, on pouvait applaudir, parce que quand même, là, j'ai réussi, là. Vous vous rendez pas compte, là, mais... Ah, mais merci. Je suis en train de travailler sur une contravention avec une musique de police, et c'est pas gagné. Et... Je ne désespère pas un jour de mettre en musique un extrait du catalogue La Paire sur une musique des Doors. Alors, vous savez, quand on est dans ces moments de création comme ça, et ça nous omnibule, on a tout le temps ça dans la tête, j'en ai une sur le feu, elle n'est pas totalement finie, mais j'avais envie de vous la faire ce soir. Là, de toute façon, vous ne risquez pas de partir. Ça tape dans ma tête, j'ai le dos qui me fait mal. Je suis enflammé au niveau de la troisième dorsale. J'ai souvent des migraines, mais mon toubi trouve rien. Et si c'était pas cette jambe qui me lance, tout irait bien. Oui, je suis champion de la queen. Si je couinais pas, ça n'irait pas. Oui, je suis champion. Oui, je suis champion. Alors, je queen sur une musique de queen. Voilà. Bon, c'est le début. C'est le début, c'est pas encore totalement au point. Et là, je vois que... Alors, je vois que là, alors des gens, vraiment, ils en demandent. Quoi. Ah, mais j'en ai une autre. Un groupe anglais, cette fois-ci, très connu. Euh,
Alors, d'habitude, j'arrive à siffler. Le problème, c'est qu'ils m'ont changé le bridge, là, il y a 2 mois. Hein, et depuis, j'ai du mal. Mais c'est vrai, en plus. Comme je joue plus, je sais plus si je peux siffler. Je peux plus siffler. Je crois que je vais me mettre en arrêt de travail, vraiment. Alors, je vais vous le chanter. La 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 la. Ça, c'est l'intro qui donne vraiment la... C'est le groupe qu'il faut connaître, le nom du groupe. Hein. Non ? Ben, Cure ! Salisse du salade, la bourboule, axe les termes, Vitel et Vian. Bannière de Bigorre, Luchon, Vichy et Saint-Lary-Soulan. Trop bien les cures. Voilà. Je crois que là, aujourd'hui, vraiment... À la souterraine, vous êtes gâtés. Je crois que j'ai réussi tout ce que je... Performance, j'y suis. Je gagne ma vie avec ça, oui. Enfin, je gagnais ma vie avec ça. Je suis en train de regarder. Parce que c'est vrai que depuis quand même un certain temps, on est un peu empêché, comme il dirait. Voilà. C'est une période pas facile. Ouais, je vois des gens heureux de te voir. Ouais. C'est des The Cure. Il y a des gens qui répondent après, alors que vous l'avez dit avant. Merci. Merci les commentaires. Non, mais The Cure, effectivement, voilà, The Cure. Il y en a d'autres, mais bon, on va pas s'y mettre. Sinon, on va pas passer sa vie à ça. Donc, c'est vrai qu'il y a, avec ce Covid, on vit une période pas facile, mais il y a quand même des choses, il y a des gens qui vivent des trucs beaucoup plus difficiles que le Covid. Par exemple, ce n'est pas facile pour un chanteur corse de jouer de la guitare et de chanter en même temps. Ça tombe bien parce que je ne connais pas de chansons corse. Enfin, je ne connais pas. Je connais peut-être une, vous allez me dire si elle est corse. Je me posais la question l'autre jour. Et boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, la préfecture fait boum boum. Alors, ça, est-ce que c'est corse ? Un spectacle, une fois, on m'a dit c'est basque. Alors, il faudrait savoir, c'est corse, c'est basque, c'est comme ça, là. Tout le monde s'éclate à la queue leu-leu. Vous le saviez que ça, que c'était syrien ? Vous ne saviez pas ? Eh bien, voilà, vous aurez appris un truc. Oui, c'est syrien, c'est de mauvais goût aussi. Mais il y en aura d'autres, hein. Vous inquiétez pas, c'est pas encore fini. Il y en aura d'autres. Ce n'est pas facile de regarder le soleil en face, mais c'est encore plus difficile de le regarder de profil. Là, je sens que j'en perds des gens, là, voyez. Ce n'est pas facile de faire de la peinture à l'huile, mais c'est encore plus difficile de faire de la peinture au beurre. Même allégé au beurre, même allégé. When I walk in the main case, the corner man, one of the wishes, the bam bam. Walk on the wishes, the corner way, the start of the queen, baby. Ce n'est pas facile de se coucher avec les poules, car c'est déjà bien difficile de coucher avec une seule. Comme dit un copain, chaque fois que j'ai des préservatifs, je ne baise pas. Mais quand je n'en ai pas, c'est pareil. 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 Ce n'est pas facile de faire le vide dans sa tête, mais c'est encore plus difficile de faire le plein à Valzergue. Cherchez pas, ça c'est personnel. Bon, tant que je vais expliquer parce que là, sinon, Valzergue c'est un bled en Aveyron. Et une fois je suis tombé en panne d'essence à Valzergue, voilà. Le vide dans sa tête et le plein à Valzergue. Des chansons, des fois ça tire à rien, quoi. Ce n'est pas facile d'être prophète en son pays, mais c'est encore plus difficile d'être charcutier à Kaboul. Kaboul, c'est pas en Aveyron, hein, okay, y en a qui ne sauraient pas. Oulé,
Ce n'est pas facile de consoler la pauvre veuve, mais c'est encore plus difficile lorsque c'est la sienne, la sienne, la sienne, la sienne. Merci, c'est un effort vers la fin. Cette chanson, si je me calme un petit peu, elle pourrait nous inciter à relativiser. Voilà, il faut relativiser, surtout par les temps qui courent. Hein. Entre un homme qui se coupe en se rasant et un autre à qui l'on coupe la tête, vous remarquerez que c'est toujours celui qui a la blessure la moins grave qui va se plaindre le plus. Voilà. Mine de rien, on fait de la philo, là, on aborde la relativité. Bon, c'est exactement pareil que ça. Une fracture du bassin pour une personne âgée, c'est grave. Mais pour un poisson rouge, c'est pire. Voilà, c'est pareil, on fait de la philo. Je suis toujours en train de regarder. Yeah. Il y a Fred Pic qui est là. Ah ben oui, non, mais c'est vrai que... Bon, je veux dire que... excusez-moi, je suis pris par les écrans, en fait. Hein. On est pris complètement par les écrans. La fracture du bassin, des choses comme ça, c'est une façon de voir les choses un petit peu décalées. Quoi, hein. Voilà, il y a des gens comme ça qui ont une espèce de logique un petit peu à part, un peu décalé. Quand on est môme, on a tout ça. Après, on va à l'école, c'est ça le problème. Mais, je sais pas, moi, j'ai toujours noté plein de phrases de mes gamins quand ils étaient petits. Je me souviens que la première fois qu'on a été à Paris avec ma fille, elle avait 7 ans à l'époque, elle en a quand même 30 aujourd'hui. On débouche sur le périph', elle est derrière, dans la bagnole. En bon provincial, je fais une petite erreur de conduite et je me fais klaxonner, bien sûr. Elle me dit « Tu le connais ?» Voilà, ça c'est quand même, vous voyez, c'est une espèce de logique un petit peu à part. Lors des élections de 2002, que j'avais souvent raconté sur scène, au dépouillement, on est en train d'écouter la France Inter, la radio, et puis le Front National deuxième. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Deuxième, le Front National deuxième. Je marche à la cuisine, je me dis, mais c'est pas possible, deuxième, mais c'est pas possible. Puis là, il y a mon gamin, 7 ans, Jules, qui arrive et qui me dit, tu sais, papa, deuxième, c'est pas mal. Hein. On y a expliqué après, on y a quand même expliqué. Donc pour vous dire qu'il y a quand même comme ça des logiques un petit peu décalées que des gens. Et il se trouve que heureusement, ça reste parfois chez des adultes. J'ai un copain qui est un peu plus âgé que 7 ans, qui s'appelle Vincent. Ben il a encore ça. L'autre jour, je croise ce copain qui me dit à propos d'un ami qu'il s'est éteint. Et moi, abasourdi, il est mort ? Ben non, les cheveux. Jeux olympiques d'hiver, on est là à regarder la télé. Et lui qui dit : pourquoi les Polonais n'arrivent-ils pas à se faire un nom en ski ? Vous inquiétez pas, moi aussi je suis largué bien des fois, mais reconcentrons-nous, ne décrochez pas. Tout le monde sait que fumer tue, mais d'après lui danser tutu. Bizarrement les touches recto, dit-il, se font toujours au verso. Pour calculer la circonférence d'une vache, doit-on tenir compte du pi? Ceux qui étaient nuls en maths ne peuvent pas la comprendre, celle-là. Les habitants de la Zambie sont-ils vraiment des Zambiens ? Vous inquiétez pas, moi aussi, je suis largué bien des fois. Mais reconcentrons-nous, ne décrochez pas. Comme il a fait des études d'histoire, parfois il se la raconte un petit peu. Au XVIIe siècle, on organisait des concours de chant exclusivement réservés aux castrats. Le gagnant obtenait, d'après lui, deux bourses d'études. Vous inquiétez pas, moi aussi, je suis largué bien des fois.
mais reconcentrons-vous. Ça va pas être tout le temps comme ça. Je voudrais avoir, tant que j'y suis dans cette grosse demi-heure, avoir une pensée pour tous les copains avec qui je joue des spectacles au fil du temps, là, comme on jouait, et notamment Vincent Roca, qui est l'auteur de ce texte que je viens de vous interpréter. Vincent Roca, on joue un spectacle ensemble qui s'appelle 150 kilos à deux, on vous en met un peu plus. C'est le titre du spectacle. Et là, je pense qu'avec le confinement, il va falloir qu'on revoie un petit peu le titre, surtout pour moi. Mais Vincent, pour ceux qui ne connaissent pas, allez faire un petit tour sur le net, là. Vous avez l'occasion, vous tapez Vincent Roca et vous verrez, c'est un poète, il manie les mots comme personne. Et puis c'est un érudit, quoi. Voilà, moi qui le côtoie maintenant depuis quelques années, c'est un érudit. J'apprends beaucoup de choses avec lui. C'est-à-dire que moi, j'ai un CAP chaudronnier. Alors, je ne dis pas que les chaudronniers sont plus cons, hein. Non, c'est qu'on part de plus loin. Voilà. Donc, je prends des notes, j'apprends des trucs. Par exemple, Vincent Roca m'a tout appris sur le H. La différence entre le H muet et le H aspiré. J'avoue que je le savais pas. Par exemple, le H de H est aspiré. On dit la H. On ne dit pas lâche. Par contre, on peut dire lâche la H. Bon, vous pouvez le dire moins fort aussi, hein, mais voilà. Comme le H de hashish, il faut l'aspirer. Voilà. C'est, j'apprends des trucs. Alors pour la suite, vous viendrez voir ça en spectacle parce que c'est quand même mieux en vrai. Et Vincent, là où il est fort, là où il m'épate vraiment, c'est qu'il conjugue tous les temps. Il conjugue tous les temps. Subjonctif, conditionnel et passé simple. En passé simple, il est pas mal. Par exemple, ça c'est lui, ça. Elle était musulmane. Il la charia. Voilà, ça c'est du passé simple, du verbe charrier. Et de suite, vous voyez, on a envie d'apprendre à conjuguer, hein, comme le fait Vincent. Alors, il se trouve qu'il en a écrit, mais alors vraiment plein. On en a fait une chanson qu'on joue dans ce spectacle. Je vais vous la faire comme ça. J'ai l'impression que. Ouais, là j'ai l'impression que ça réagit pas mal sur le passé simple. Ça, c'est pas lui qui l'a écrit, mais il aurait pu. Pendant la guerre, les juifs, ils les cachèrent. Pour embellir Yvette, ils l'ornèrent. Jeanne d'Arc, ils l'hébergèrent, pas ses moutons. Et pour la paix dans le monde, ils militèrent. Militèrent. Ce chalet en Suisse, vous l'achetat. S'installer à Mende, ils l'osèrent. L'argent n'a pas d'odeur. Nous le sentîmes. Quant à devenir riche, vous faillîtes. Vous faillîtes. One on, I come on, be sweet and sweep. I don't know nobody to stand on my head, mais pas so. One on the really to say. Je lui ai dit, tu viens boire un coup. Je vins et je bus. Je le provoquais, tu serais pas un peu un déchet. Alors je rebus. Savais-tu que tu transpirais? Je sus. Je lui demandais s'il pouvait se laver. Je pus. Et comme il fallait bien qu'on en finisse, je me tue. On se tue. Champion de l'amour, vous vous rombites. Ces habits usagés, vous les mites. Pour acheter une poivrière, ils s'allièrent. Ces hommes ne valaient rien. On les soldats, les soldats. Pour tuer le porc, ils l'entravèrent. Acculés, ils démissionnèrent. La langue des signes, nous nous y mîmes. Le traité de paix était trop long. Wow, wow. Il est la guerre. Et la guerre. Le passé simple, c'est très simple. Voilà. Cette chanson fait partie de ce spectacle qu'on joue, qu'on rejouera dès qu'il sera possible
de rejouer, bien sûr. Pensez aussi pour mes camarades du projet d'Erly, avec qui, depuis quelques années, nous menons cette aventure humaine, vraiment, où on se retrouve. On est 6 sur scène, 8 en tournée. C'est pas du tout la même histoire que les petites bêtises que je peux vous chanter là, depuis tout à l'heure. C'est des chansons plus d'humeur. Voilà, donc, allez faire un tour aussi sur le projet d'Erly, sur le net, tant que vous y êtes. Alors, je sais pas combien on est là, mais je regarde un petit peu les... Ah oui, il y a pas mal de... Je sais pas combien on est au niveau des gens. Vous le voyez, vous, là? Je sais pas. Ah, plus de 100, c'est vachement pas mal, disons. Merci, en tout cas, d'être là. J'ai fait combien de temps, là, pour le moment? Je vais pas faire trop long non plus, parce que... On est à combien? Ouais, encore, je vais faire le rappel. 30 minutes? Ah, ben, je vais faire le rappel. Ça vous va? Je vais faire des chansons courtes, parce que, évidemment, pour ceux qui me connaissent, ma spécialité, c'est les chansons courtes, donc j'avais envie de vous faire un petit set de chansons courtes. Il se trouve qu'il y a quelques années, ben, j'ai commencé à faire des chansons courtes il y a quelques années parce que j'arrivais pas à finir des chansons longues. Voilà, c'est vraiment, c'est vrai en plus, hein, c'est pas du tout... La première que j'ai écrite, c'était ça ressemblait à ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait, mais ça faisait... Le jour de la Toussaint, moi je reste allongé toute la sainte journée par solidarité pour les morts. Voilà, c'était assez intéressant. C'est la première, vraiment, la toute première. C'est assez intéressant. Mais après, il fallait développer. J'y arrivais pas. Donc, j'ai commencé à faire ces formats avec l'aide de copains, auteurs. Je ne suis pas tout seul à écrire ces chansons courtes. On est un paquet. Et de fil en aiguille, j'ai continué à faire ça. Et il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai sorti ce premier livre CD qui s'appelle 99 chansons courtes seulement, parce que ça n'aurait fait un peu trop. Voilà, c'est le titre du livre CD. On le vend 9,99 €. Voilà, 9,99 €. Et alors, il y avait déjà des chansons courtes dessus. Il y a le disque à la fin et tout. Hein. Et là, il y a quelques temps, j'ai sorti le deuxième tome qui s'appelle 100 chansons courtes parce que 99, ça faisait pas assez. Voilà, c'est un concept, quoi. C'est un concept. Vous l'aurez compris. Je suis conceptuel. Donc... Bon, voilà, il y a un rapport, hein, au cas où il y a un rapport entre les deux. C'est un concept, je dirais, au même titre que le menu malin sur les aires d'autoroute. Vous avez vu ça, le menu malin sur les aires d'autoroute, hein. Le menu malin de chez Paul, par exemple. Vous voyez, Paul, ils font, vous voyez qui c'est? Ils font semblant qu'ils font du pain à l'ancienne au milieu de la station Total. Vous voyez ça? Ils sont habillés pareil et tout. On s'y croirait. Et le menu malin, ça m'a toujours un peu quand même titillé. Et une fois, j'ai demandé à la vendeuse, j'ai dit, le menu malin, je suis un peu con, j'y ai droit aussi ou... Alors, elle m'a regardé, elle m'a dit, mais je sais pas, je vais demander à ma chef. Alors, si vous voulez, ça, c'est des conneries, mais c'est dit d'entrée, voilà. Hein. Il y a les textes, d'accord, les textes, avec les accords de guitare pour pouvoir s'accompagner au coin du feu, donc tout est vrai. Le CD à la fin qui a été enregistré par Pascal Hou, hein, Rooks, pensé pour Xavier Lefrançois aussi, tant que j'y suis. Et donc voilà, là je vais vous faire un petit florilège de ces nouvelles chansons. Ouais, je vous en fais une première et puis on voit si on continue. Hein. Non, 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 je ne suis pas schizophrène, et moi non plus. Là, en général, on voit à qui on a affaire quand on fait cette première chanson, texte de Gégé Morel. Oh, ça, I come on beat, to put on a whip, ah, ah. You know, I'm on a game, on a no, with a tease, my out, oh, ah. Le sport, à ce qui paraît, c'est un dépassement de soi. Et moi, je me suis juré que le jour où je me dépasserai, par solidarité, je m'attendrai. Il y en a parmi les cadreurs, ça serait bien qui pense à ce que je viens de dire, là, vraiment. Oh, j'avais en faire une dans la même... parce que c'est vrai qu'il y a quand même ces derniers temps des mots qui reviennent comme ça. Optimisme, humanisme, honnêteté, solidarité. J'ai ma propre définition, moi, de l'honnêteté. La vraie honnêteté, pour moi, ce serait comme si une prostituée rendait la monnaie à un éjaculateur précoce. Je pense que, voilà, ça, on peut s'en souvenir de cette... Et tant que je suis dans la poésie, je voudrais vous faire un haïku. J'adore les haïkus, c'est sa musique. Hein. Végane, tu es, pourtant ton regard est bleu comme une entrecôte. Voilà. C'est un des meilleurs que j'ai écrit. Hein. Je vous le dédie, évidemment. Je regarde en plus, évidemment. Oui, ah, je vous vois, il y a vraiment du monde. Alors, je... Oh, ça.
si tous les doigts avaient la longueur du majeur, on pourrait faire des mains d'honneur. En ce moment, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont envie de ça. En matière de justice, le seul truc que je sais, tous les homards ont un casier. Ça met un peu de temps, ouais. Les homards avec un H, parce que je joue souvent dans des bleds, hein. Je suis chanteur de sous-préfecture avant tout, voire de chef-lieu de canton, et évidemment j'adore ça, je fais que ça. Et il y a des fois des gens qui disent « Ouais, les homards, ouais, qui rentrent chez eux ». Non, les homards avec un H, au cas où je veux dissiper tout malentendu. La seule petite différence entre un ordinateur et un jardinier, c'est qu'un ordinateur, qu'il soit Mac ou PC, il se fout des saisons pour planter. Ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Armoire, banquette, canapé, secrétaire, desserte, lit superposé, bureau, bergère, buffet, fauteuil, sofa, vaisselier. C'était ma petite chanson pour meubler. Voilà, on est plus de là dans la poésie. Pruneau, abricot sec, figue, kiwi, un verre de jus d'orange frais, tout ça au petit déjeuner. Voyez, moi aussi je peux faire une chanson qui fait chier. Nul ne les a invités, pourtant les convives. Quand le pétomane surjoue, ça se sent tout de suite. Ça, c'est une vieille référence. Il faut avoir connu la pétomanie. Sinon, évidemment, on comprend que dalle. Tiens, mais tiens, j'en ai quelques nouvelles là, que j'ai longtemps que j'ai pas faites. Mais à quoi pense... Je vous la dédie à vous, hein, les cadreurs, là. Mais à quoi pense le réalisateur quand il hurle à l'handicapé moteur? Je vous la dédie pas sur les handicapés, c'est pas du tout ça. C'est que vous faites c'est de la réalisation que vous faites. Là. Et bien, c'est bravo, hein, je pense que ça doit être vraiment pas mal. Qu'est-ce que je peux vous faire? Ah oui, ça. Je tue les mouches uniquement à la bombe aérosol. D'un côté, c'est pas bon pour la planète, mais d'un autre, je me dis qu'en n'utilisant pas la tapette, je lutte moi aussi contre l'homophobie. J'ai des chansons courtes à engager aussi, même si... S'il n'y paraît pas. Oh. Avec le recul de l'âge de la retraite, il y en a beaucoup qui s'inquiètent. Mais pas de soucis dans les métiers les plus pénibles. Le montant des indemnités sera calculé à l'autopsie. Ça, c'est pour rassurer les gens, évidemment, parce que ça, c'est de Chrazou, ce petit texte. Alors, y a une qui l'a écrite, dont j'ai fait la musique, qui a toujours un peu de. Qui passe. Ouais, vous allez voir, vous allez me dire. Hein. Lorsqu'on fait une dégustation à l'aveugle, il ne faut jamais oublier de donner à boire aux chiens. Moi, c'est une de mes préférées, mais elle marche pas. Bon, je la maintiens parce que je pense qu'un jour, elle va passer le second tour. Certains soirs dans les villes, on voit passer puis repasser les mêmes policiers. Et ils font cela plusieurs fois. J'en déduis qu'ils cherchent le commissariat. Et riez pas parce qu'il y a des soirs où c'est vrai, quoi. Vraiment, hein. Oh, mais qu'est-ce que je peux faire là? Je vais terminer par... Ah oui, celle-là. Ça, la campagne, ça devrait même passer. C'est pareil, ça. À quoi on reconnaît un bon taxidermiste? Il ne mange jamais la peau du poulet. Voilà, ça, c'est... Je vais terminer. Je pense qu'on est pas mal là quand même. Par deux.
2. En vous remerciant. En remerciant évidemment toute l'équipe qui m'a accueilli là cet après-midi. Hein. Bravo. Ah, ils sont là, ils sont masqués. Merci à Romain, évidemment. Yes. C'est Rémi qui a fait le son. Ce soir, c'est Jacques qui a fait la lumière. Et puis tout le monde qui m'a accueilli. Je n'ai plus les prénoms en tête, mais voilà. Vous êtes associés. Le centre culturel Yves Furet, où nous devions jouer Déstructuré cette année. Bon, voilà, on reviendra. J'ai fait un cauchemar. Je perdais les dents, c'était affreux, c'était horrible, mais le pire si vous saviez, j'aime pas la purée. Et une dernière que je vous dédie à tout le monde, et merci aussi à tous les internautes qui ont suivi ce live stream. Ah quand même, oui, c'est pas mal. Le lâcher prise, moi je crois que Claude François aurait aimé ça. Merci. Merci beaucoup. Ouais. On termine sur une note un peu électrique, hein, mais je crois qu'il est temps d'aller voir Jean Castex pour voir les superbes annonces qu'il va nous faire. Hein. Allez, vous pouvez zapper. Merci beaucoup. Ben, je vous dis à bientôt, en vrai, j'espère. Hein. Merci. Merci bien. C'est gentil.